Mesdames et messieurs, bonjour à mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur. Bienvenue avec votre émission Coup d'œil dans la Bible, toujours avec votre frère Kajou Jude. Notre méditation pour aujourd'hui est un petit titre. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Assurément, dans votre tête, vous posez cette question, pourquoi je viens avec ces deux versets-là. Donc, c'est juste pour donner réponse claire à un pasteur sur les réseaux sociaux. Il s'appelle pasteur Joseph Luckner. Donc, pour en savoir plus, je vous laisse le temps de partager, d'abonner, me donner une pouce afin de m'encourager. Donc, d'ores et déjà, mille merci. Quand le vent de la tempête vient à son vous venez de donner votre participation à cette émission Coup d'œil dans la Bible. Ça me réjouit, ça me fait content, ça me fait joyeux parce que vous êtes en train aussi de faire ce qu'on appelle l'évangélisation à travers les réseaux sociaux. Donc, revenons à nos moutons, revenons au sujet. Luc 6, versets 41 et 42. Donc, ces deux passages, je les adresse directement au pasteur Luckner, Joseph. Pasteur Luckner, Joseph. Je ne sais pas s'il était auparavant adventiste du septième jour. Bon, c'est sûr, certain, il n'était pas adventiste du septième jour. Parce que la façon dont il a parlé, ça ne me montre pas qu'il était auparavant adventiste du septième jour, avant d'être et baptiste ou pentecôtiste, je ne sais pas dans quelle église il œuvre, mais je vois qu'il est en train de faire des débats, c'est-à-dire des vidéos
de bas pour pouvoir comprendre la Bible, pour pouvoir essayer faire comprendre la Bible. Il fait semblant d'être un docteur de la loi, ou du moins c'est un docteur de la Bible. C'est-à-dire, monsieur prend pause comme si c'est lui qui a montré la Bible. Donc, comme moi te dis, moi adresse verset ça, verset dans Luc 6, verset 41-42, hein, m'a adressé directement au pasteur Littner. Donc, voulez-vous savoir pourquoi? Eh bien, regardons ensemble ce vidéo. Bonsoir, pasteur. Si un monde baptisé dans Adventiste, s'il vient dans protestant, est-ce qu'il faut le rebaptiser encore? Non, son question est posée, pas vrai? L'église qui est bon de bénir, hein? Est pas une question posée? Ok. Mandé un adventiste, son protestant qui gagne 25 ans baptisé, si l'adventiste ça fait, premier ça fait, c'est baptiser. Pour qui ça? Parce que d'après adventiste là, son babylonien qui vient de nous, il qui vient joindre ni. Écoutez bien. Ou pas qu'on est les trois esprits de l'Apocalypse 16. Ou pas qu'on est comme Adventiste interpréter ça. Le prophète qui gagne esprit cap saute en bouche. Ou pas qu'on est comme Adventiste interpréter ça. Prophète ça c'est pasteur protestant. Esprit ça c'est message pasteur protestant prêcher. Là, fait moi même pas prendre provision aucun côté. C'est pour les m'a régler à faire bib pour pas dire c'est ça on pas veut ouais mais on manger. Là même pas manger oui. M'a manger aucun manger. Du tout m'a manger. Là fait son brita cour d'ou acheter moi, c'est dit Abdil mais pas écrire ça. Alors moi même moi pas de connaît, moi pas connaît et ni m'pap jamais connaît que Adventiste gen rien la régler dans mon Dieu. Adventiste c'est comme ces questions est posée mais cité dans Adventiste là. Adventiste moi connaît son gros compagnie. Un gros compagnie qui va régler affaire cobli. Mais pour le fonctionner plus bien, il parler de Jésus. Mais si m'ta cherché tout ancien document lio, il pas aucun rapport avec Jésus. Ni si c'est sur radio autant de parler de Jésus. Ou comprendre c'est Jésus pour là on prend. L'offre fin rentrer là-dedans ouais. Elle prend pause ou rentrer pour ouais. Sur quoi c'est de Jésus pour là à parler pour ça qu'a régler. Alors moi-même autant de fois au vini, m'a pas rebaptisé non. Ça m'a fait. M'a baptisé parce que m'a pas connu baptisé déjà. Parce que m'a connu les monde là Jésus baptisé. Mille merci. Alors vous venez de regarder et d'écouter comment pasteur Luttner Joseph traite notre assemblée. C'est-à-dire, quand je dis notre assemblée, c'est sûr, certains, vous êtes en Adventiste du 7e jour, ou du moins, je parle pour les Adventistes du 7e jour, dont je fais partie. Donc, peut-être monsieur capable de raison, parce qu'il y a plusieurs adventistes. Il y a plusieurs adventistes. Donc, il y a adventiste de la promesse, il y a adventiste réformé, il y a adventiste capable du premier jour, nous avons davidien, nous avons. Il y a un paquet d'adventistes. Donc, on ne sait pas qui est adventiste par de celle-là. Si c'est adventiste du système jour, parce qu'il y en a plusieurs. Je vais intervenir à ce sujet-là. Mais si toutefois c'est avec adventiste du système jour, pasteur Littner a adressé, donc je crois que pasteur Littner est dans l'erreur.
Nous capables de dire oui, parmi nous, gen lion. Gen lion parmi nous. Gen lion parmi nous parce que gen ça ou les jésuites. Gen ça ou les jésuites, gen ça ou les jésuites qui pénétrent en dans nous. Donc pour confondre nous, pour capable de mettre de l'huile sur le feu, capable de mettre de l'huile sur le feu pour pouvoir bouiller les cartes, c'est-à-dire pour créer des ennuis. Il y a aussi une secte. Et m'excuser, c'est une secte, on capable de dire une religion tout, vous comprenez, qui c'est maçon loge, il y a un pile en nous qui gagne un pile maçon loge au sein adventiste du septième jour. Ça sont bagarre pour nous veiller parce que notre église, ça ne doit pas être comme ça. Il y a un pile qui est infiltré parmi nous. Mais si vous cherchez l'église qui a marché avec la Bible, si vous cherchez l'église qui a fait effort pour respecter une série de normes bibliques, même si vous ne voulez pas prêcher vraiment, parce que nous manquons de prêcher, j'assume ma responsabilité et je dis ça de façon claire. Les adventistes du septième jour ne veulent pas prêcher, ne veulent pas faire de porte en porte. Donc, quand ils sont paresseux, ils sont couades en ce sens. Donc, mais c'est l'église qui a marché avec la Bible. Apocalypse 14, verset 12, dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Si il y a une dans l'église, sur terre, qui a observé la Bible, la parole de Dieu, de façon normale, c'est-à-dire, je ne dis pas à 100%, mais parce que nous sommes des pécheurs, mais il s'agit de l'église adventiste du septième jour. Mais est-ce que pasteur Luckner connaît chaque adventiste du septième jour? Donc, je ne vais pas aller en Haïti avant, je vais aller dans notre pays. Je ne vais pas aller en Haïti pour chercher, faire recherche en Haïti pour m'bay pour dire c'est Haïti bagage bon mal non l'autre pays mal chercher une recherche sur adventiste du septième jour en garder sac adventiste du septième jour. Si toutefois c'est délit pasteur Luckner Joseph a parlé, regardons ensemble. Née dans la seconde moitié du 19e siècle, l'Église adventiste du septième jour est héritière du protestantisme. Elle est fidèle aux principes de la parole seule, de la grâce seule et de la foi seule. Elle fonde ainsi ses croyances dans la Bible. Elle croit que Jésus-Christ est mort pour le salut de chaque être humain, qu'il est ressuscité et qu'il reviendra en gloire. Il mettra définitivement un terme au mal, à la souffrance et au péché. De cette espérance vient le nom adventiste. L'expression « du septième jour » est liée au septième jour de la création, le sabbat, un jour mis à part spécialement pour Dieu. C'est ainsi que le samedi, les adventistes se rencontrent pour leur service religieux. En Suisse, ce sont près de 50 lieux de culte dans lesquels se réunissent 4500 membres chaque semaine. Maisons de retraite, écoles, maisons d'édition et cliniques complètent les services offerts à la population. L'Église adventiste du septième jour est également présente dans plus de 200 pays et compte près de 20 millions de membres dans le monde. Le service religieux comprend deux parties. La première est consacrée à un échange autour d'un thème biblique.
Un animateur gère le groupe dans lequel chacun est libre de s'exprimer et de partager ses idées. Le deuxième temps est celui du culte. Cantique, lecture de la parole et prédication le composent. Autre temps fort, la Sainte Cène. Elle est célébrée une fois par trimestre. Partage du pain et du jus de raisin, lavement des pieds, son signe de service, de reconnaissance et d'espérance. Respectant le libre choix de chacun, l'Église adventiste du septième jour pratique le baptême par immersion. Témoignage d'un engagement et de la volonté de vivre avec Dieu, il symbolise l'entrée dans l'Église et la grande famille des chrétiens. Afin de participer au développement spirituel et de partager ses convictions et son espérance, les adventistes organisent des conférences publiques, des soirées after work avec collations et exposés débats, ou des cafés théologiques qui abordent des thèmes tels que l'archéologie, l'écologie et le christianisme, la vie après la mort, les prophéties bibliques ou la vie avec Dieu. Bref, des pistes de réflexion biblique qui répondent à des questions actuelles. Si les adventistes du septième jour ont les yeux tournés vers le ciel, ils ont bien les pieds sur terre. Conscientes des différences et difficultés que rencontrent hommes et femmes à travers le monde pour vivre leur propre foi, l'Église adventiste s'engage pour promouvoir et développer la liberté de croyance. En ce sens, elle collabore avec l'Association internationale pour la défense de la liberté religieuse et la communauté de travail des églises chrétiennes en Suisse. Les enfants et les jeunes ne sont pas en reste. Les églises locales leur proposent différents programmes. Catéchèse, rencontres bibliques et spirituelles, activités sportives et nature, projets sociaux et humanitaires. L'être humain étant corps, âme et esprit, les adventistes du septième jour offrent leurs compétences non seulement dans le domaine de la spiritualité, mais aussi dans le domaine du social, de la santé physique ou de la psychologie. Sans prosélytisme, ils s'impliquent pour aider les plus défavorisés. Des repas à un prix très abordable sont proposés, des banques alimentaires offrent des biens de première nécessité et des vestiaires permettent de trouver des vêtements de seconde main en bon état. Une aide rendue possible grâce à de nombreux bénévoles. Sur le plan national et international, ADRA, l'Agence d'aide et de développement adventiste, agit en cas de catastrophe et conçoit des projets pour une meilleure qualité de vie sur le long terme. Certifiée ZEVO, elle est partenaire de la chaîne du bonheur. Autres enjeux de notre société, l'hygiène de vie et une approche globale de la santé physique et psychologique. La Ligue Vie et Santé organise des séminaires pour arrêter de fumer, des cours de cuisine équilibrée et depuis peu, des expos santé. Organisés dans des lieux publics, celles-ci permettent aux participants de faire un état des lieux de leur santé. Différents professionnels de la santé, dont médecins et nutritionnistes, sont à disposition pour des conseils d'hygiène de vie. À Glan, la clinique La Linière est spécialisée dans la réadaptation cardiovasculaire, neuro-orthopédique, médecine interne et oncologique. Elle offre aussi des soins en psychiatrie, ainsi qu'un centre de santé moderne. Ainsi, proche et humaine, l'Église adventiste du septième jour tente de répondre aux besoins de l'être humain d'aujourd'hui. Elle se veut porteuse d'espérance, de paix et de joie. Mille merci pour ce vidéo-là que vous venez de voir, de regarder et d'auditionner aussi. Où est toute chaque adventiste du septième jour? Ça, c'est pour payer la Suisse. Ça, c'est... Ce n'est pas pour tous les pays. Donc, où est Jean, il a respecté toute une série de normes. Donc, moi-même, j'aime l'Église adventiste du septième jour, c'est parce qu'il respectait les normes. Les adventistes du septième jour, c'est-à-dire religion, ça a commencé de 1. Là, elle le monte et puis il descend. Ou bien il fait ici le monte, il descend. Il commence dans sa école, dit sabbat, jusqu'à ce qu'il arrive dans la tête de la division américaine, c'est-à-dire dans la tête Wilson.
Ça dit dans Ted Wilson, comment c'est le Ted Wilson qui est le président général, on capable de dire le président et le président du mission, de la mission, le président de la mission. Il s'agit de Ted Wilson. C'est comme ça nous commençons, nous finissons comme ça, et nous commençons comme ça encore, nous finissons comme ça. Donc, nous avons des normes à respecter. Donc, quand nous avons pasteur Luckner, sans se parler de tout un série de bagailles là, donc, c'est tout à fait normal pour parler comme ça parce que pasteur Luckner, c'est l'église li. Pas un pasteur qui est l'église. Nous, les Adventistes du 7e jour, pour nous, nous avons plus de pasteur qui a fait dans l'église, c'est 5 ans. Je ne sais pas pour d'autres églises de l'autre pays, mais je sais bien, il y a un pasteur de l'église qui a fait 5 ans ou plus fort, 3 ans à 5 ans en dans l'église. Donc, assurément, j'aime un pasteur qui est là, c'est comme si moi là mourir dans l'église. Ça, son premier aspect qui montre nous que l'église a pas un homme. Ça, son premier aspect qui montre nous que l'église a pas un homme. Ouais, pasteur Luckner dit lui-même il pas manger tout manger l'abrissement puis ou pas dit ou pas connait ou manger tout ou manger pour les l'abrégler à faire bib pour monde pas venir dire rien pour venir pour une on va je vais l'expliquer bah. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal pour les l'abrégler à faire bibli. Parce que si, de façon administrative, ou te respecte toute une série de normes, ou te gen sare les manuels de l'église, qui montre qui gens pour diriger l'église, avec acte. Donc, une série de l'église, on peut avoir une série de dérives là-dedans. Je ne dis pas que au sein de l'église adventiste, ça n'a pas de dérive. Il y a un pile de rives, il y a un pile de bagages à corriger. Mais, pas un pasteur qui vient l'église. Pas un pasteur qui vient l'église. Où est pasteur Luckner dit? Donc, il ne pas manger, manger. Il ne manger, pas manger, manger dans mes mounes. Non, sens biblique. Il ne pas prendre manger dans mes mounes tout côté. Il ne pas manger tout côté. Il ne pas prendre droit. Il ne pas prendre leçon. Il ne pas prendre précepte. Non mais moun, c'est ça le dit. Ça dit que dit bon bagay dans Bible bouel. Non, nous les adventistes du 7e jour, nous ne fonctionnons pas de cette manière. Donc qui ça sujet atteye, c'était un jeune garçon qui posait une question de baptême. Ouais, monsieur élaboré, il dit, il ne pas reconnaître que Adventiste a baptisé moun. Donc, il parlait de quatre esprits de l'Apocalypse, il parlait de toute une série de bagailles, juste pour le capable dénigrer notre église, c'est-à-dire l'église Adventiste du 7e jour. Donc, puisque il t'a parlé de baptême. Il est vrai que dans Éphésiens 4 verset 5, il dit que il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Mais de quel baptême dont parle Paul ici? Je parle de yon seul baptême. Je pas parlé de quantité de baptême. Je parle de qualité de baptême. Qui qualité baptême ou prend? Parce que divino a fait baptême tout. Comprenez? Est-ce que si yon moun a servi nan bagay ou gan nan bagay divino, parce que son religion li tout, le vaudou son religion, l'idol baptisé. Puisque l'équité religion ça l'entrée l'église, l'idol baptisé déjà. Est-ce que
ou à bal chef pour chanter? Est-ce que ou à bal pour diriger tout un série de bagages parce que yo dit yon seul baptême? Et bon, seul baptême yé, mais le baptisé. Tout de suite, faut bal chef. Est-ce que si yon moun baptisé dans l'église catholique, c'est-à-dire hein, yon pas fait baptême par immersion? Et puis, quand il parle de le baptiser, ou à balcher pour chanter, pour prêcher normalement? Non, je ne sais pas quoi faire ça. C'est juste pour prendre deux exemples avant, pour ne pas faire vidéo à long. Ou pas faire ça. Donc, nous, les Adventistes du septième jour, c'est qu'on s'en fait. Il s'agit de la qualité du baptême, non pas la quantité. Ou t'es qu'à baptiser même 10 fois même, même 5 fois même. Parce que, je ne sais pas si Pasteur Lichner a répondu à une question. Ça. Ou imaginez vous ou fin baigner un petit monde, bien baigner, et puis, petit monde n'a pas joué. Non, fait pli tap pli, la courir dans kaila ou du moins sans deyo kaila. La joué et puis ti moun nan tombé, nou rigole ou bien tombé à terre nan la boue et puis sale. Wap mete rad sou li tout sale là. Est-ce que Pasteur Lichner ka répond à ma question ça? Est-ce que si ti moun nan fin bien ou bien bien là avec bon savon, senti bon, bon shampoo? Ou mette, ou ben la avec même deux bouquets de l'eau pour le sentir bon. Et puis pendant le pralé, ou bien pendant le pralé avec le pied glissé, le tombe dans la boue. Est-ce que ou le lever, ou le mette sous lit dans pied, ou le mette rad sous lit, ou le mette maillot sous lit avec, col tout plein la boue? Et bien c'est de même. C'est de même pour nous, les Adventistes du système jour. À chaque fois qu'on entre dans l'église Adventiste du système jour, soit vous êtes bon adultère, soit vous volez, soit vous faites quelque bagaille qui n'est pas bon pour la société et qui a critiqué l'église. Donc, quand vous mettez sous censure, ou bien vous radiez, vous êtes baptisé pour réentrer encore parmi moun kap evri, moun ki pa tombe en bas sanction yo, ou doué baptisé. Ou sorti dans l'autre l'église. Pour entrer au sein de l'église adventiste, faut re baptisé parce que c'est pas la même doctrine. C'est pas la même doctrine. Ou imaginons ou moun ki amé du salut. Amé du salut pa respecte sa rele. On m'a dit, il n'y a pas marché avec Jésus même. Jésus a eu un exemple avec un Jean-Baptiste qui était baptisé par immersion, plongé dans l'eau. Armée du salut, c'est drapeau, il y a en haut le haut. Alors, on vient dans l'église Adventiste du septième jour et puis on vient dire mon baptisé. Pour me boire cher, pour me boire tout un seigneur de bagaille. Non. Nous pas fonctionner comme ça. Donc, Pasteur Lichner a une raison ou dit l'église Adventiste c'est une compagnie. Parce que nous respectons les normes. Nous administratives. Nous pas une l'église pas. Nous pas un pasteur qui a l'église pas. Il y a un pasteur qui a 20 ans dans l'église. Il y a un pasteur qui a 25 ans dans l'église. Au sein de notre association, au sein de notre église, ou pas une bagaille ça. Mon pasteur a fait 20 ans dans l'église. Ça, c'est l'église PAU. Donc, souvent dans l'église là, ou pas raconte ça qui a passé. Donc, on va parler de tout document, les Adventistes du septième jour, qu'on est yo. La gueule. Donc, moi-même, je ne parle pas de bif, mais
Les maptans de monsieur qui a parlé de l'Adventiste du septième jour, qu'on connaît, il y a un pile problème au sein de l'Adventiste du septième jour. Même j'ai un pile problème au sein de l'église, parce que, au sein d'autres églises. Parce que, qui ça est l'église à elle? L'église, ils sont tous assemblés de coquins. Ou jeune monde qui vient adorer, ou jeune monde qui nous fait Juda, ou jeune monde qui vient parler moun mal, qui a regardé qui a goumeté, ou jeune monde qui vient faire clan. Donc, dans toutes les églises, y compris les Adventistes du 17e jour, il y a toutes sortes de monde qui ont joué dans l'église là. Mes frères, sem, ou même kap gade mna, pour sauver, qui côté pour être? Qui côté pour être? En dans l'église pour être. Même j'en avec Noé et sa famille. Pour Noé te sauver, qui côté le territoire? En dans l'âge là. Malgré dans l'âge là, te gen pou pou bête. Malgré dans l'âge là, te gen yon ta pipi. Malgré dans l'âge là, ou te sens yon pata à l'aise parce que, vous comprenez? Yo pa ka wè de yo pa ka wè tout une série de bagay, mais pour yo sauver, faut que autorité en dans la chance. C'est de même pour l'église, pour capable sauver, même les gain toute divergence, gain toute coquin yo entre toute une série de bagay au sein de l'église, pour capable virer l'œuvre du Seigneur. Donc quand c'est rester en dans l'église pour capable sauver. Donc mille merci de ce que vous avez suivi moi. Donc, quand pas oublier de partager la vidéo plus vite que possible afin que vous puissiez participer dans ça l'évangélisation. Donc, c'était Kajo Jude ensemble avec vous pour l'émission Coup d'œil dans la Bible avec un sujet. Donc, pourquoi ne vois-tu pas la paille qui est dans ton œil et n'aperçois pas la poutre qui est dans l'œil de ton frère? C'est-à-dire, Pasteur Luckner, pas ouais, poutre qui n'a pas eu là, la gade yon paille qui n'a pas eu l'autre. Donc, quand j'aime moi, Pasteur, ça, son pasteur chargé à défaut, son pasteur qui est arrogant. Son pasteur l'a posé une question, c'est comme si nous avions dit, c'est celle qui met. Non. Pas de mettre sous la terre. Pas de mettre sous la terre. Pas de ange sous la terre. Pas de Dieu sous la terre. Donc, Dieu gagne, c'est en l'air. Donc, c'était juste pour donner une réponse au pasteur Luckner pour lui dire. L'église adventiste que vous pensez, tel que vous pensez, n'est pas comme ça. N'est pas comme ça. Donc, nous avons des normes, nous avons des préceptes à respecter pour pouvoir y entrer, pour pouvoir participer dans l'œuvre du Seigneur. Donc, merci encore une fois, je vous dis. Bon sabbat dans le Seigneur. Ciao.